vous observe. Eh bien, salut à toi et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais oui, c'est moi le juge. Qui m'a tout le regardé. Ça m'a modé. En fait, là, ils me prennent en otage avec mon ami le prêtre. Sur ce drôle. Monsieur le prêtre, vous pouvez pas me faire une petite prière pour moi, je pars. Je ne dirai rien à ton papa. Dieu pardonne, pas nous, on verra après. Monsieur le prêtre, s'il vous plaît, faites-moi une petite prière pour moi. S'il vous plaît, j'ai très peur. J'ai très 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 peur. Tout va bien se passer. Mon enfant, je te bénis, mon enfant. Quoi qu'il arrive, mon enfant, tu accéderas au paradis, mon enfant. Notre père, qui est aux cieux, qui est en... Je vais te mettre mon doigt dans le cul, sale enculé, tu vas voir comment tu vas l'acclimer, ta bénédiction. Messieurs, arrêtez de parler, je vais vous baïonner. Non, s'il vous plaît, monsieur. Ma moustache, monsieur. Je suis enrhumé, si vous me baïonnez, je vais mourir. Non, vous pouvez respirer par le nez. Monsieur, ça fait mal aux mains. Non, je suis enrhumé. Vous pouvez pas me détacher les mains et les jambes. Non, vous serez pas détaché. Monsieur, je vais pas sauter, je vais pas sauter. Ben, je vais essayer de pas sauter. C'est attaché au véhicule, vous ne pouvez pas sauter, messieurs. Moi, je sais ça. Monsieur, vous êtes pas très sociable. D'abord, vous, là, sur le côté, là, avec votre arme à tortue. Vous êtes des otages, messieurs. Ouais, je sais, je sais. Mais si vous voulez rester avec la vie sauve, je vous conseille de vous taire. Bah, enculé, comment ça va pour me buter? On est dans un hélicoptère. Un hélicoptère. Oh, tu vas fermer ta gueule. J'ai mon couteau qui est là près de moi. Et puis de toute façon, on peut se poser, je peux te mettre une balle. Je crois que je vais arrêter de parler dans pas très longtemps. Mais sinon, on va où? Parce que moi, je suis en air, là. On va dans un endroit secret, on arrive, on a 2 km, on arrive. Ah, monsieur le prêtre, pourquoi vous me touchez à la cuisse? Pardon, mon enfant, je croyais que c'était ma bite. What the fuck? Ah non, c'est pas grave. Monsieur le prêtre, est-ce que vous avez déjà fait du Saint-Bergeron? Non, mon enfant. Le Saint-Bergeron, c'est très bon. Le prêtre m'a l'air sympathique, il goûtera au Saint-Bergeron. C'est un bon lait, une bonne fromage de brebis. Dieu n'existe pas, monsieur. Oui, Dieu existe. Dieu existe et les juifs. Dieu est une simple invention. Dieu n'existe pas. Dieu existe et les juifs. Oh putain, quelle belle baraque. T'as vu ça? C'est joli chez monsieur, nous. Ah monsieur, j'ai lancé la corde. Bah c'est pas... Ta mère l'hypopète. C'est pas Dieu qui l'a payé, hein. Allez, on sort de l'hélicoptère. Attendez monsieur, j'ai juste... Pas de geste brusque. Un geste brusque et vous mourrez. Pour le prêtre, ça tu vas me suivre, bien avec moi. Non, je vais rester avec le prêtre. Non, retourne vers les autres, toi. Allez. Toi, tu dégages. Bonjour, les autres. Viens ici, toi, le chasseur. Ramène-toi avec ton web. Bon, monsieur le prêtre, je vous fouille. Je vous refouille une deuxième fois. Si vous avez une arme. Il fait chaud, Mets-toi contre le mur. Regarde le mur. Mets-toi contre le mur et regarde eux et tu mets les mains sur la tête. Voilà, c'est bien, tu bouges. Bon, vous c'est pareil, je vous refouille une deuxième fois. Je vous retire les flèches que vous m'avez cachées. Messieurs. Bon, vous monsieur là, avec le petit chelon de... Monsieur, vous savez que vous avez une très belle voix. Les communications sont toujours en baisse. Merci. Ok. Ça me fait bander dans mon pantalon. La gueule, on va crever. Ah mais c'est pas un bon prêtre, c'est un faux prêtre. Mais monsieur, hein. Vous êtes prêtre, c'est pas un homme de parole. Mourir. Bah si tu fermes ta gueule, non, on risque de survivre.
Êtes-vous déjà été au paradis? Oui, si tu fermes pas ta gueule, tu vas venir avec moi. Ah, monsieur, on se calme là. Ah, putain, moi je vais finir avec tout le monde sauf avec toi, quoi. Monsieur, j'ai une idée. Peut-être que si tu fais une autre battle comme tantôt, peut-être qu'ils vont te relâcher. Ah ouais, peut-être. Ok. Ils vont te relâcher, tu vas partir où? T'es en plein milieu de l'océan. Brave, monsieur, les Américains. Je peux vous parler? Allez-y. D'accord, ici le prêtre à ma gauche va faire un rap battle. S'il gagne un rap battle, vous nous libérez. Et c'est moi qui fais la musique. Non, ça marche monsieur, pas monsieur, ça. Je suis pas d'accord. Bon. Je suis pas d'accord, monsieur. Ton temps de parole est terminé. Monsieur, par contre, moi j'aurais juste une petite réclamation. Messieurs. On vous écoute, allez-y. Est-ce que je peux m'endormir juste deux petites secondes? Allez-y, dormez. Merci. Bannez-vous à Sorance V, hein, moi. Je suis pas très riche, mais vous avez demandé combien à la police? Excusez-moi, monsieur, ma vie, elle vaut combien? Pour l'instant, le négociateur est en train de voir pour la rançon combien a demandé. Oh, mais vous savez, avez demandé combien, c'est quoi votre offre? C'est toujours très très utile. À combien t'estimes ta vie, toi? Pour les enfants, pour la famille, au moins votre mort pourrait servir. Monsieur n'est pas très bavard. Bah, monsieur, moi, pour le reste de la famille. Laisse tomber, mais. Bah, moi, j'ai beaucoup d'enfants là. Trop cher. Eh oui. J'ai une fille. Pas dire, voilà. Okay, monsieur. Au j'ai moins, une fille, bon un million, garçon. Une belle femme. Ah, bah, si vous voulez, si jamais il se passe quelque chose de mal. T'auras pas de femme, t'auras juste un garçon, toi. Un petit copain, ça te dira, non? Ah ouais, si toi tu veux être mon copain, je dirais pas non. Bon, donne-moi ton numéro après le braquage, on verra. Ah ouais, ça c'est bon. Donne-moi ton numéro, on s'arrangera. Et par contre, monsieur, appelez-moi capitaine. Attends, la monogamie de nos jours, c'est plus très très mode, vous savez. Envoie-moi une demande de contact, je vais mettre ton nom braqueur avec une belle voix. Vas-y, redonne ton nom. Voilà, ça branche. Ah bah non, en fait, parce que tu m'as enlevé mon téléphone. C'est chaud, oh c'est chaud. Écris Capitaine Chasseur à côté. Bah, je sais pas si ça va marcher, hein, j'ai plus de téléphone là. On s'arrange après, je serai peut-être mon petit copain. On ira faire un mariage clandestin. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, hein, monsieur. Vous allez nous marier. On va couper Zezette. Toi la ferme. On va couper Zezette. Toi, on va couper Zezette. Toi aussi. Toi non, parce que t'es mon petit copain. Donc t'auras rien. Lèche-cul. Tu vénard. Y'en a d'autres qui ont... Ah bah, mange de l'anneau, ça tu vas être capable de le manger. Ou mange ma queue. Ah ouais, let's go, t'es bon rap, let's go, je fais le beat. Tu l'as rassuré style. Monsieur, est-ce que vous êtes chaud? Au niveau nourriture, tout va bien? Ah non, monsieur, moi j'ai très faim. Ça va pour l'instant, monsieur. Ça va. Ah, moi, juste monsieur, j'ai faim et j'ai soif. Rebelle qui arrive. Monsieur, j'ai faim et j'ai soif. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai faim et j'ai soif. Personne a faim, soif, envie oui, de s'en faire. Oui, moi. Non, merci, moi. Je vais manger kebab. J'ai fait un petit affaire, je reviens. J'ai plié le linge. J'arrive. J'ai faim.
Bon monsieur, malheureusement, à manger. Les sont durs. Ah non, on parle de sexe là, on parle pas de bouffer. Bah j'ai faim et j'ai soif. Ah, je peux mater ou pas quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une relation sexuelle. Vous savez, tu sais ce qu'on fait aux garçons dans ton genre en prison? Aux petites belles gueules comme la tienne, tu sais ce qu'on leur fait en prison? Hein? Ouais, ouais, ouais. Ils étaient silencieux aussi. C'est ça que j'aime chez eux. On peut lire la peur dans leur regard. Ça ira pour cette fois-ci, tu passeras pas à la casserole. Quoi? Pas de jeu. Hé, hey, mon pote, tape ma gauche. Ils t'ont sodomisé ou pas? Non, pas encore. Dommage, j'aurais bien voulu voir ça. Quoi? Parle pas à toi du con. Est-ce que je pourrais savoir à quelle famille on a affaire, s'il vous plaît? Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose à manger? Et à boire. Pas possible, les bêtes. Il faut respecter les bêtes. Bah pourquoi vous m'avez donné du bacon? Monsieur. Pourquoi vous m'avez donné du bacon toxique? C'est du spécial bacon. Entièrement fait ce genre. Vous pouvez nous regarder. Regardez-nous, monsieur. Non. Détachez-moi et je vous regarde. Vous n'êtes pas obligé de regarder le mur, monsieur. Je peux pas bouger, monsieur. Oh, moi aussi, j'arrive pas à bouger. J'ai mes jambes, ils sont clouées. Ah, pareil. C'est au sol, mec. Ah, là, c'est mieux, là. Ah, dis-moi que c'est la police que j'entends. Vite, me toucher les fesses, mon enfant, j'aime bien ça. Fermer les popettes, 3 hélicos, faut vraiment que je coûte cher. Hein. Non, monsieur, c'est moi qui... C'est moi qui fais tout le prix. Mais pourquoi là... Quoi? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec... C'est moi qui vous charge. Non, monsieur. C'est moi du con. Avec ce mec-là, il est à terre, j'ai pas compris. Je croyais que c'est pris les hélices. Mais si... Vous savez pas piloter. Rangez vos armes, s'il vous plaît, dans vos sacs. Rangez vos armes dans votre sac, s'il vous plaît. Monsieur rangez votre arme. Rangez votre arme. Oui, rangez oui. C'est bon. Bon, messieurs, en fait, vous avez un petit problème. C'est que là où vous êtes, il y a une prise d'otage. Malheureusement, on peut pas vous laisser partir. Vous allez donc mettre les mains en l'air. Vous allez faire la prise d'otage. Les mains en l'air, s'il vous plaît, messieurs. D'accord. Comment vous vous êtes fait niquer? Non, monsieur qui est à terre, je retire tout moyen de communication et de localisation, je bouge votre arme principale et j'enraille votre pistolet si vous en avez un. Je retire votre couteau aussi. Voilà. Merde, j'ai mal noté d'être vert. De même pour vous, monsieur. Il faut le crocheter. Communication de localisation, ça a déjà été enlevé très bien, arme de poing et je retire votre couteau. T'as des vrais blaireaux. Et du coup j'ai plus de menaces. C'est ce qu'on dit là, on dit mauvais endroit, mauvais moment. Vas-y fait. Non, qu'est-ce qu'a dit hier soir la bonne dans mon pied. Windows non, il fait Y. Ah, non, Windows Shift R sur le mec. Sauf qu'en fait j'ai menotté le R, monsieur, vous parlez notre langue, non? Monsieur, vous allez gentiment me donner vos papiers. Ouais, c'est du patois local, je vois. Pas de geste brusque. Sortez les deux. Monsieur, putain, là-bas. Con. D'accord, je peux enlever les mains sur la tête, monsieur. Monsieur, on a votre enlever les mains sur la tête. Pas de geste brusque, monsieur. Merde. Dans les escaliers. Oui, vous inquiétez pas. Appelle-le du coup, il se reconnaîtra. Pas, vous inquiétez pas. Du coup. Je sais. Votre arme est bougée. Je suis tâche. Comment il est toi sens, monsieur, on a voir de moi là-bas.
D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, ayez un peu de... Soyez un minimum aimable si vous pouviez mettre... Monsieur, s'il vous plaît. Je peux mettre dans l'autre sens. Non, reste au fond du mur, tu pues de la gueule. Qui c'est qui me parle comme ça? Ouais, c'est ça. Le mec avec l'arbalète. Tu es vraiment trop une merde, ça, je te jure. Pourriez me changer de sens, s'il vous plaît, monsieur, que je voyais un minimum ce qui se passe. C'est à moi que tu parles avec ton arc de lopette. Ouais, carrément, c'est toi que je parle. Putain de bolos, voilà. On a repris d'otage et ça te fait rire, du con. Ah, c'est toi qui fais rire. Ah ouais, c'est les nerfs, c'est les nerfs. Je vais t'en mettre un mois des nerfs, tu vas voir. Tu vas te couper les veines. Au final, bon, messieurs, je tiens à vous dire que vous êtes dans une prise d'otage. Messieurs, je vous arrache les menottes que vous avez dans votre sac. Pardon ? Donnez-les-moi. Je vous arrache les menottes que vous avez sur vous. Donnez-les-moi. Messieurs, je vous ai pris en otage, donc plus un geste. Vous mettez tous les mains sur la tête. Bah, du tout. Ah, merci, messieurs. J'ai cru. Bon, toi, ma gauche, t'arrêtes de danser le hula-hoop, là. Messieurs, vous n'avez plus le moyen de communication. Vous allez garder les mains sur la tête et vous allez vous mettre contre le mur à côté de votre ami. Pouvez-vous m'enlever la monnaie comme ça, je vais mettre la main sur la tête, ça va être mieux. Et mettez la monnaie à eux. Non, mais c'est malin, c'est malin. On s'enfuit, regarde. C'est de la lévitation, mon frère. Mon ami Ota, on aurait dû penser. Une prise d'otage ici, c'est pas trop mal. Ouais, t'es vraiment con. Bon, vous pouvez pas mettre une balle à l'autre casse-couille qui parle à côté de moi. Un prêtre, il va pouvoir faire nos dernières paroles. Ouais, t'inquiète pas, mon pote, je vais t'emmener au paradis. Ah non, pas face au mur, là. Pour te retourner, vous pensez très fort, shift, Q ou E. Après ça, le temps que ça commence, si vous voulez, je vous pose un petit jeu. On va tous chanter des chansons bretonnes comme ça, tous en cœur. Ah ouais, ça j'aime ça. Celui qui a dit ça, il est breton. Ah, les chansons bretonnes, ça donne chaud au cœur, ça. On saute de la gueule. Moi, après, c'est pas dans le cœur que j'ai chaud. Je te moque pas trop de mes origines. Ah mais je suis que t'as chaud. Je vois pas que t'étais breton. Non, en avant. Il a baisé la mer à l'autre, à la mer. Ah, monsieur le prêtre. Monsieur le prêtre, on fait une battle. Ils veulent chanter, on fait une battle. Comme tout à l'heure avec le chauve. Mais non, je vais les ridiculiser, après ils vont me flinguer. Mais pourquoi vous avez mis le prêtre à l'autre bout et il était à côté de moi? Ouais, mais tu nous, c'est l'argent qui nous intéresse. Là vous êtes 5, ça va faire 1 million par tête. Monsieur, quelqu'un qui cherche un taxi, il faut que j'y aille. Ouais, moi aussi pas ici. Monsieur, on s'arrache le mec. Bon, monsieur, enlevez-moi les monnaies, il faut que j'y aille, je vais nager. C'est pas très coopérative. C'est vraiment dommage. Monsieur, vous pouvez nous mettre à l'écart. Malheureusement, si dans 5 minutes, je n'ai pas de réponse du négociateur, une personne de vous va mourir. Pas moi. Ah, un hélico. Regardez Louis à ma droite là, avec la cagoule. Plus de monde. Ils ont le courage de monsieur, descendre. Je vous rappelle que vous n'avez plus de moyens de communication. Vous devrez faire partir vos amis, messieurs. Ah bah, c'est pas mes amis, monsieur. Comment on pourrait faire partir nos amis, monsieur? Réfléchissez, monsieur. On ferait comment si on n'a plus le moyen de locomotion? Faites pas les fous comme ça. C'est la merde, votre affaire, les bacs. Hein, vous êtes dans la merde, les gars. Ça te tente de parler un peu? Comment tu faisais pour avancer tout à l'heure? Vous auriez dû rester qu'avec des civils. La magie noire, mon frère, la magie noire. Ouais, comme ça, on va être un petit peu pas si oui, je suis prêtre. Je sais pas, il n'y arrive plus, j'ai tout dépensé mon énergie. Monsieur, pourquoi vous avancez là, monsieur le prêtre, là? Vous arrêtez pas d'avancer avec la main sur la tête. Arrêtez, stoppez-vous là. C'est la magie noire. Comment c'est Dieu qui me passe sa magie. Vous pouvez pas le descendre, lui. Vous ferez beaucoup plus d'argent qu'avec nous deux. Ouais, nous, on peut plus rien. Bah non, vous. Les policiers, ils voudront pas de terroristes comme nous. Hein. Eux, ils vont dire ouais, eux. J'avoue, donc les gars, flinguez-les tout de suite. Ah ouais, ça c'est ouais, bon. Moi je propose. Vous allez juste sortir une petite piqûre de l'abeille et après ça va être le noir total et vous allez rencontrer Dieu.
Mais vous allez pas gagner 1 million par tête hein, avec moi et mon collègue. Ah c'est sûr, vous valez 2 dollars. Oh les gars, en attendant, je vous propose de faire une petite danse. Et vous là, là-bas qui court. Bon, les braqueurs là. Vous. 500 000 et vous laissez partir moi et mon pote. Vous. Les gars, alors, déjà qu'on vous avez robe là, vous avez pris... Monsieur, là, même, là-bas. Pardon, vous avez dit pas besoin de la totalité de ce que j'ai. Monsieur. Là, sur moi. Moi j'ai avec la cagoule verte. 120 000 et vous nous laissez partir. Et déjà, vous m'avez pris 120 000, donc... Vous avec la cagoule verte. Monsieur. Monsieur. Vous. Monsieur avec la cagoule verte. Ah, bonjour, j'ai besoin de taxi au champ de Eorin, merci. Monsieur. Monsieur, il y a quelqu'un qui a besoin d'un taxi. Monsieur, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Bon, c'est qui le négociateur là? C'est moi. Qui s'est parlé ou quoi? Moi je suis négociateur, vous pouvez me démonter s'il vous plaît. Ah, il y a quelqu'un qui vous brain ou quoi? Ils savent pas tirer de toute façon. Toi avec ton arc, t'aurais réussi à descendre l'hélico. Un arbalète. Avec mon arc, direct dans le rotor, mon frère. On m'appelle... comment il s'appelle? Robin Desbois. Robin Desbois, frère. C'est moi. C'est Robin Desbois. Alors, monsieur, j'ai pas toute ma vie, moi. Monsieur, vous. Je vous propose une offre, là. Oui. C'est, vous aurez rien, sinon. Je vous ai dit, moi, 500 000 pour moi et mon pote. Et moi, je vous passe en plus de 500 000, 120 000. Et moi, 2 dollars. On a envoyé vos armes, hein, vous oubliez pas. 620 000 pour que vous puissiez repartir. Ouais, y'a pas de soucis, on est rien. Non, 620 000. 620 000. Pour nous deux. Bon, non, vous avez dit que vous valez. Que vous. Vous valez rien. Ouais, déjà qu'on vaut pas grand chose, monsieur, alors 620 000, c'est pas mal. Hein. Non? Vous n'êtes pas d'accord. Objection, votre honneur. Alors que c'est vous les braqueurs. Hein. Vous là, avec la cagoule. Messieurs. Oui. Ça sera pas 600 000, ça sera un transfert d'un million. Si vous voulez repartir. Sinon, il va falloir attendre les forces de l'ordre. Sachant que dans exactement 3 minutes, l'un de vous 5 va mourir. Donc c'est soit un transfert d'un million que vous voulez, soit... monsieur, je vous fais laisser, vous savez compter. D'être la cible. Monsieur, moi, toi, au moins dernier, vous avez dit que vous m'aimez. Est-ce que la bénédiction de Dieu, ça compte? C'est où tu peux te la mettre, la bénédiction de Dieu? Mets-toi dans ta bouche. Tiens, mon prêtre. Messieurs, pour un million, vous êtes d'accord ou pas? Un million, ouais, monsieur, faut plus parler à moi. Ça va être juste. Hein. Il va parler à son comptable. Non, ça va pas être possible. Très bien. Voilà, monsieur, avec la cagoule verte. Bon, monsieur, est-ce qu'on peut savoir ce que la police a pu vous répondre, si est compatible ou si pas du tout, ou si on risque vraiment notre vie? Non, on peut rien savoir. Ok. Ouais, ça veut dire ça. Ah, d'accord. Bah, 1 million, hein. Puisqu'il voulait 1 million pour le libérer. Ça me tarif, hein, je pense. Monsieur, je suis un prêtre qui a de l'argent. Putain d'escroc, hein. Faites pas attention à lui, c'est peut-être un pédophile. Ferme ta gueule. Bon, monsieur, 500 000 pour nos deux têtes. Toujours pas d'accord? 620 000, monsieur. C'est ce qu'on a sur nous, là.
Il a 120 000. Bah, faudrait que j'aille retirer dans ma cachette secrète. Parce que vous m'avez déjà volé 120 000, un peu plus. Le DJ, y a possibilité qu'il remette la musique ? Putain, si j'étais riche, ami pour descendre. Putain, y'en a un qui a disparu. Ah, y'en a un, je crois qu'il tombe dans l'eau. Y'en a un... Non, lui, c'est Moïse. Tu vois, tu vois ? Oh ! Moïse ! C'est quoi ces explosions d'eau, là ? C'est Moïse ! C'est Superman. Non, c'est Jésus, il marche sur l'eau. Ah, il est revenu. Vraiment, ma bouche, un petit peu. Monsieur, on fait appel à Dieu pour faire revenir Moïse d'entre eux sous l'eau. Dieu, écoute-moi, Dieu, refais monter le. Sinon, je vais lui flinguer sa mère la pute. Pardon, excusez-moi, mes enfants. Remonte, dépêche-toi, enculé. C'est bon, monsieur, il va arriver. C'est bon, monsieur, il va arriver. Monsieur le prêtre, je vous prends vos papiers d'identité. Entraînez-moi. Pourquoi tu veux qu'on aille boire un verre après? Ouais, ouais, un petit kebab. Bon. Monsieur. On va faire un petit kebab au calme, salade tomate oignon. D'accord, par contre, moi je mange pas de ralou. Vous avez une réponse de police. C'est pas du ralou. Parce que moi là, j'ai pas toute ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais un kebab, je veux bien. C'est normal, t'as pas de vie. Monsieur, je vous ai parlé. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ce serait. Ah, moi je te réponds, c'est tout vol. D'accord, non, monsieur, merci, face au mur. Personne ne me parle. C'est pas cool, monsieur, face au mur. Vous êtes pas très gentil, hein. Monsieur, attendez-moi, là. Les policiers arrivent. Oh, monsieur, là, avec la... Par là. Bon, bah, Isar, c'est pas très... Fallait pas choisir cette arme, monsieur. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Non, mais c'est un plongeur sous-marin. Et toi, va Clark. Ça te dit, après on va chasser, si tu veux je te paye une arbalète. Ah, merci monsieur. La personne là-bas est la cagoule, est-ce que je peux lui parler? Bien sûr. Pouvez-vous m'emmener quelque part? Je sais pas pourquoi j'ai eu votre carte d'identité. C'est moi, oui, moi. Pouvez-vous m'emmener à l'arrière par là-bas? J'en connais un qui va se faire sauter. Non, mais. Pas à l'arrière par là, par l'autre bord. Ah, face à la mer, comme une pute. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? La musique. Pouvez-vous me démonter, s'il vous plaît, 2 minutes, ça fait vraiment mal. S'il vous plaît, juste 2 minutes et non, après vous me ramenez. Ok, mais attendez, je peux vous parler. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? J'aimerais bien juste être de l'autre sens. Monsieur, est-ce que je peux avoir votre nom? Ah, c'est bon. Donc, monsieur, j'ai quelques questions. Pourquoi vous avez une arme si vous n'avez pas de permis d'armes? Monsieur, je suis criminel. Ouais, je sais, mais... L'illégalité, je n'ai pas besoin d'avoir de permis légal, monsieur. Monsieur, est-ce qu'on a pas okay. contact avec vous? Et vous savez quoi, ça fait à peu près 2 minutes, là, qu'on est... Que t'as dit que t'allais buter une autre personne, mais t'as jamais trouvé personne. Alors, je te propose, tu peux trouver... un des... le mec, là, avec... le chapeau... le chapeau comme moi. D'accord, merci. Vous le voyez là, tout à gauche? Ah oui, elle vaut 2 millions. Monsieur, vous savez combien vaut votre tête? Ouais, elle vaut 2 millions. Vous valez 5 millions à vous tous. 5 millions à vous tous, monsieur. Eh, Rebelle, ça te dérange si je me colle à vous? Ouais. Mais 6 millions avec moi. Votre petite tête. Parce que si j'abîme le moindre sourcil sur votre petite tête,
ça influencera le moindre. Bah monsieur Toto, vous, tout à l'heure vous m'avez vous m'avez monsieur, assommé. Monsieur, éloignez-moi de ce prêtre. Monsieur, éloignez-moi de ce monsieur. Prêtre. Ah ouais, j'aime pas. Ah ouais, c'est pas bon pour toi, c'est pas en même position. Regardez monsieur, monsieur, vous abîmez sa tête maintenant, prêtre, elle vaut moins 100 000 $. Ah, moins 200 000 $. Ah, maintenant elle vaut 100 000 $. Un vieux dégueulasse, mon frère. Bouge pas, mon enfant, tout va bien se passer. Ah, merci, monsieur. Mais attendez, attendez. Tu sens là, hein. Vous, monsieur. Ah, monsieur, voilà. La cagoule. Qui n'a pas de permis d'armes. Monsieur. Monsieur, vous penserez à laver vos affaires, hein. Monsieur. Oui. Vous êtes sûr que vous voulez pas me demander 2 secondes? Il faut que je vous montre quelque chose. Monte là. Ouais, on va ouais. Pas la voir, à mon avis, tu te remets pas avec une loupe. Vous savez que vous me faites de la peine. C'est pas grave, leurs lunettes m'ont l'air assez puissantes. Bah ça c'est des GVN. Messieurs, par hasard, est-ce que quelqu'un vendrait des JVN aussi? Monsieur... Tu cours au marché toi ou quoi? Est-ce que vous pouvez monsieur, me toucher là, avec... j'en ai marre de regarder le mur. Pensez très fort à Shift et en même temps cliquez sur Q ou E. Monsieur, monsieur, pouvez-vous monsieur, vous avez compris. J'en ai marre des murs. Pense très fort à Shift E. Ouais. Merci, monsieur. Monsieur, avec l'arc. Monsieur, avec l'arc. Bon, messieurs, vu que je vois qu'on avance tous un petit peu, je propose que le premier arrivé de l'autre côté l'a gagné. Bah, monsieur, moi, je sais pas comment avancer. Moi non plus, mais mon personnage, apparemment, il est hanté. Bah, ah, monsieur, dire, vous, vous pouvez me dire comment, hein. Attends, tu lèves la jambe gauche et après tu lèves la droite. Ouais, ouais, ouais. Mais t'es dommage, pas moi, moi j'ai une troisième jambe, mais toi, tu l'as pas. Quand on a deux manottes, on peut pas. Ouais, sauf que tu l'as dans le cul, c'est ça le problème. C'est pas à toi que je parlais, mais si tu te sens visé, c'est qu'il y a une raison. Ouais, mais je m'en fiche que tu me parles ou pas. J'aime pas les prêtres. Pourquoi tu réponds? J'aime pas Dieu. Monsieur, tu vois l'homme en premier. Et l'homme pas Dieu. Je crois qu'il y a un problème avec le prêtre. Hein. Il vient de nous dire qu'il avait une troisième jambe dans le cul. Et toi, t'en as une dans le cul, une dans la bouche. En tout cas, messieurs, très bel hélico, hein. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je vais revoir mes bonnes sœurs? Ah, messieurs, pour le moment, c'est mal parti, hein. La petite Gisèle, c'est un truc de malade, quand même. Comment les forces de l'ordre s'en fichent de vos petites têtes? Je suis sûr que dans ton arme, il n'y a même pas de balle. C'est le mec à l'arbalète qui a dit ça. Monsieur le prêtre. Moi, j'ai bien fait de venir ici, je vois qu'il y a de l'action. Monsieur le prêtre. Ouais, mon enfant. Vous pouvez pas faire une petite prière? Mon enfant, je fais que ça de prier, mais les flics sont des cons. Ouais, mais vous priez dans votre tête. Peut-être qu'il faut que vous priez oralement. Comme ça, Dieu va vous entendre. Et peut-être que il va contacter Zeus et il y aura l'éclair de Zeus proche.
Mon enfant, l'équerre de Zeus ne peut pas venir maintenant. Pas quelqu'un qui peut me demander 2 minutes, il faut que je vous montre quelque chose. S'il vous plaît. Bon, je t'ai déjà dit, t'habites, tu le gardes. Bah non, bah attends, tu vas voir. Parce que là... Moi j'ai pas envie de voir. Parce que là, elle est tellement grosse que des fois je m'en fâche dedans et là, bah je pèle dessus et ça fait mal. Ah, là les flics, je crois. Ah, j'espère que oui. Mes enfants, je tenais à vous bénir de la part de Dieu si jamais on n'en sort pas indemne. D'accord, merci. Dieu a un message pour vous. Ouais, c'est quoi? Baiser le plus de putes possible au paradis. Regardez, il va se poser, il va faire péter tous les hélicos. Il sait pas piloter droite, il pilote vers l'arrière. Mourir. Regarde, il va s'atterrir dans l'eau. Attention, attention, tu vas péter. Regarde, c'est l'hélicoptère de Jésus, il s'atterrit dans l'eau. Regardez comment il va se bouffer les hélicos. Ah, c'est un miracle, c'est un miracle, il a réussi. Monsieur. Monsieur. Vous, monsieur, monsieur. Je veux dire que je suis le chauffeur, moi je reste dans l'hélico. Bien sûr. Putain, le mec il a besoin d'un chauffeur, c'est parce qu'il est dans les forces de l'ordre, il sait pas conduire. Bonsoir. Bah allez, je monte dans mon hélico et j'attends. Il y a un bateau qui arrive, les gars. Ah, c'est pas un mec. Ils sont très discrets, hein. Ouais, c'est... Monsieur, 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 vous. C'est pas la police. Ils sont passés pour des pêcheurs, miskin. Monsieur. Que je rêve. Monsieur la police. Ah bah je vois que les otages s'amusent bien avec les preneurs de non, stock, monsieur. Donc il n'y avait pas un mort d'homme non plus. Madame la police. Moi je trouve, plutôt sympa. Ça fait une heure, on a commencé à lier des liens entre Madame nous, la police. Moi je les aime bien, moi c'est les otages que j'aime pas. Ils sont pas très agressifs comme braqueurs. Ils m'ont tapé. Si vous payez, je pense que tout se passera bien. Attention, vous comprenez. Madame, s'il vous plaît, j'aimerais revoir mes bonnes soeurs. Pas de soucis. Si les preneurs d'otages pouvaient comprendre aussi qu'on n'a pas forcément les effectifs nécessaires pour... Madame, je veux pas mourir. Donc, on va parler plus directement. Parce que je vois que vous n'êtes pas patient. Vu l'attente qu'il y a eu, à mort, nous avons 4 otages. Eh bah écoutez, monsieur, vous allez venir travailler dans la gendarmerie. Vous allez peut-être pouvoir faire mieux que nous. Je pense. Plutôt aller faire des ménages. Et encore, je sais pas si le ménage dans la gendarmerie, bien. Je vous savez, des prétextes, tout le monde en a. Ça serait très bien. Payé, hein. Ah, mais monsieur, la vie de mes collègues sera prioritaire face à des petits rebelles qui vont s'amuser à prendre des personnes en otage. Ah, oui, regardez, monsieur, elle vous provoque. Mais ça peut être très simple, hein, sinon donc, on les exécute j'ai pas non tous et puis comme on ça, va, vous allez bien faire votre boulot. 1 million par tête, madame, en transfert. Sur un compte que je vais vous donner. Donc 4 millions. Ah non, ce sera en main propre. Rien de plus. Sinon, je m'en vais, je reprends l'hélico et je m'en vais.
très bien. Alors les madame, sacrifiés, ce sera une personne qui viendra avec les sous. Ou alors un pilote. Ah, moi je veux venir. Ah, parce que je vais amener 10 000 personnes avec moi pour venir tuer tout le monde sur la plateforme. Ouais, je suis assez stupide pour faire ça. Là, je vais me débrouiller pour avoir votre argent. Vous faites ce qu'on vous dit, hein. Non, je suis assez con pour faire autre chose. Madame, emmenez-moi avec vous, je paye ma part. Voilà. Non mais ils ont des critères de recrutement à la gendarmerie, c'est très particulier. Bah ouais. Bon du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils payent, ils payent pas? Ils vont... On meurt pas. Par contre, faudrait que ça évite les premières d'otages, hors RP, j'ai mon ping qui est en train de monter une map, donc si jamais je dépose, ou j'ai un camion. Alors fait du bruit là, il quoi. Ça doit être la grosse à l'intérieur. Gros, ça vient payer police, pour ta tête, le plus con du serveur. Il n'y aura pas moyen de se détacher quelqu'un. Là, mon capichet. Ah, elles sont rapides. Tirer plus, vous n'avez pas le reste sur mon compte. Et en plus, il y a un otage qui est mort, donc. On va faire comme ça. À cause de qui il est mort? À cause de votre impatience, je pense. Plutôt de votre incompétence, je dirais. Mon incompétence, bon bah dans ces cas-là... J'avoue, vous êtes incompétent. Taisez-vous. Madame, vous avez pas compris, j'ai envie de partir quand même. Ouais, c'est clair. Revenez, madame. Madame! Une fois. Madame, notre vie, madame! Deux fois. Vous descendez. Trois fois. Vas-y, descends du véhicule, toi aussi, qu'est-ce que t'as là? T'es pas fort, allez, tire! Madame, s'il vous plaît! Tire! Tire! On descend. Oh là là, c'est pas pareil, hein! Donnez-moi son arme! Donnez-moi son arme! On donne l'argent, c'est pas pareil, hein! Je vais venir en bain de sang. Donnez-moi son arme! J'ai pas ouais, beaucoup que ça pue la merde. Je donnerai pas l'argent, vous avez tué mon collègue, vous êtes pas en droit de me demander quelque chose, c'est mort. Ouais, ouais. Non, du tout. Je donnerai rien du tout. Les gars, c'est moi, ça joue pas très RP. Ça tire. Je vais aller à la nage, c'est pas grave. Au revoir. Ça tire les... Boutez-la si, madame, vous... Si. Madame, vous bougez. Si. Ah les gars, vous avez buté le négociateur et tout, ça y est, c'est dead les mecs. Putain, j'avais ma GoPro d'allumée comme par hasard, c'était un bon moment. Ah bah moi aussi. Direct sur mon application YouTube sur mon téléphone. Bah ça pue la merde là. Vas-y, faudra qu'on se recontacte pour que tu me files. De quoi? Ah, ça va être la peine de mort là. Ils ont abattu le négociateur. Au moins, les deux personnes, non, ils ont été en. Monsieur le prêtre. Ils sont pas très joueurs réglo quoi. Les flics. Monsieur le prêtre, ils sont été en enfer ou au paradis? Ils auraient pas à l'insulter. Ils l'ont pas insulté, hein. C'est pas à quel moment t'as entendu qu'ils l'ont insulté. Par contre, monsieur, j'ai faim. Ah, mais j'ai l'impression que ça me rend.
qui il tire? Monsieur, j'ai besoin de nos retours. J'ai besoin de nos retours. J'ai besoin de nos retours, s'il vous plaît. Vous, monsieur, j'ai besoin de nos retours. Haro, avec ton arc, tu peux pas aller les aider? Monsieur, moi je peux vous aider avec mon arbalète. Monsieur, démonotez-moi et je vous aide avec mon arbalète. Par contre, je sais pas. Quand tu parles, tu fermes ta bouche et là, tu ouvres ta bouche. Et on t'entend. Pas toi. Moi, je sais piloter. Ouais, j'ai piloté. Avec le Ok, très bien, on va tous vous libérer ou vous allez partir. Hein. Okay. Merci. C'est gentil, monsieur. On va. Ce qui va se passer, c'est que. Vous allez partir. Vous allez partir à sa droite, dans cette direction là-bas, vers l'ouest. Attendez. Si vous faites d'accord. Ce qu'on vous dit, on tire dans le rotor. Ok, vous partez. Attendez, monsieur. C'est-à-dire ici, là où je pointe. C'est vous avec le chapeau beige, là, vers du côté de l'hélico de gendarmerie, c'est ça? Ouais, exactement. Vous partez là où vous regardez le prêtre. Attendez vos collègues, de skip, attendez c'est vos ça collègues. Oh bien, ouais. On va être des cibles vivantes. Pouvez-vous me demander Moi je sais piloter, je suis très bon. Fais appel à la bénédiction de Dieu pour veiller sur moi et mes trois camarades. Mais une question, les policiers tirent de l'eau là? Ils arrivent à tirer dedans l'eau? Bah s'ils ont une star, oui. En bateau. Ouais, que avec la star, tu vois. Ils ont, à mon avis, ah, ils doivent avoir un bon bateau, d'accord. Par contre, restez accroupis, messieurs, après, hein. Tout le long où vous vous déplacez, restez accroupis. Ah, monsieur, j'ai fait la page de la côté de mon épaule. Je vais être pris pour cible. Ah, mais c'est vrai, ça, il va être pris pour cible. Bah, regarde, qu'est-ce qu'on fait, c'est que je conduis l'hélico, toi, t'embarques à l'arrière, comme ça, ils vont pas penser que toi... Tu nous as kidnappé. Moi je veux pas les prendre deux en fait. L'autre a... Vous avez pas le choix, monsieur. Mais... D'accord. Vous avez pas le choix, vous prenez tout le monde. Il y a pas de possibilité de négociation, c'est nous qui décidons. Monsieur, vous... D'accord, mais, je jetterai le prêtre à l'eau. Je peux juste vous dire un truc. Allez-y. Il est en tenue de rebelle. Il va être en pilote, donc on va se faire descendre à la seconde. Ouais, bah c'est ça. Moi, ça je propose que j'en pilote. Je suis très bon pour piloter. On vous dit, sinon vous mourrez tout de suite. Attends, monsieur, c'est soit ça ou soit on vous abat tous contre le mur. Vous choisissez quoi? Je propose qu'on essaye de se barrer quand même avec l'hélico. Allez, montez dans l'hélico. Voilà. Partez là où on vous a dit de la direction. Si vous prenez au sens inverse, on tire sur l'hélico. Montez dans l'hélico. Monsieur, je peux vous aider avec mon arc. Montez dans l'hélico. Montez dans l'hélico, monsieur. Monsieur, je vais vous aider avec votre arc. Vite, monsieur, une fois où je tiens. Monsieur. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager grand max cette vidéo et, si vous voulez plus de vidéos de Arma 3, dites-moi le et donnez-moi des conseils pour améliorer mes vidéos, n'importe quoi et je suis commentaire, vous pouvez mettre vos vidéos dans la description, pas la description, mais il y aura un lien dans la description. Dans la description que vous pourrez mettre vos vidéos. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme que je vous ai dit et tout, laissez un pouce bleu. Et surtout y aura des vidéos de trolls dans Arma 3. Suivez-moi, partagez un grand max. Ces temps-ci j'ai pas été trop actif sur ma chaîne, mais
Parce que en fait c'est les montages qui sont longs et des fois je me décourage et je partage pas des vidéos et c'est ça. Abonnez-vous. Ça, pourquoi vous nous avez bouté, ça vous plaît? Monsieur, est-ce que vous avez mon numéro de téléphone? Ou le numéro de téléphone de mon fils? Ah, c'est le prêtre qui parle. Monsieur le prêtre? Oui. Monsieur, je vois la lumière au bout du tunnel. Non. S'il vous plaît. Je vois la lumière au bout du tunnel. Comment il est, Dieu? Il a une grosse bite. Ah, d'abord Dieu, il est comme moi. Mon père, j'ai quelque chose à vous dire. C'est vous, Dieu. Mon père, j'ai quelque chose à vous dire. Dites-moi, mon enfant. Je suis Dieu. Tabarnak. Mon enfant. Oui. Je suis mourant. Voudrais-tu que je te fasse un rap avant de mourir? Oui. Yo, moi c'est le père. Qui? J'étais avec mon pote à la balette. J'étais avec les rebelles. Mais les rebelles ont oublié. Ils ont pas bien joué RP. Que l'hélico était fermé. Et ils ont été fait flinguer. Maintenant je vais bientôt mourir. Je vais déposer plainte en forum. Rifleman, grid 0, 8, 4, 2, 5, 1.